Voilà le retour de Katrina. Non, c'est fermé, on est fermé, il n'y a personne. Merci, revenez pas plus tard. Prendre des restes. De prendre des restes aussi. Et toi, hop, vendre. Bon, ça va venir petit à petit. Allez, Dina, au boulot pour améliorer le palace. Ouais, c'est ça. Continue là parce qu'on n'a pas de sol, on est sur du béton, on a du placo au mur, c'est pas terrible quand même. Grande toile classique. Et toi, non, tu veux pas manger. Vas-y, mange. Dis-moi, il faudrait que tu ailles prêt. J'aimerais bien valider ton truc, comme ça on n'en parle plus. Préparer une boisson, préparer sa boisson préférée. Toi. Il me manque 300 points de satisfaction pour pouvoir prendre le trait esprit d'initiative qui nous aiderait bien. Qui nous aiderait quand même vachement bien en termes de promotion et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire? Acheter un lave-vaisselle, ouais, t'as cru que. Acheter une piscine, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, c'est interdit. Embrasser quelqu'un, bon, bah ça, tu peux. S'occuper du bébé. Alors, embrasser. Embrasser. Après toi, tu vas t'occuper de ton enfant. Baiser, babiller, parler. Allez. Hop, ça c'est fait. Ah bah ça marche. Appeler quelqu'un. Est-ce que tu as des amis? Oui. Hop, non, discuter. Allez, toi, va faire ce que tu as à faire. Sa boisson préférée. Grande toile classique. Et dès que tu peux économe, je suis passée de 3500 à 2500 de facture, ça aide bien. Ah, pas mal ça. Pour une fois que je suis à ton live, super. Ah, ben merci et bonjour Elisabeth. Du coup. C'est bon, on en est où là? À 1725 quoi. Non, t'auras pas de lave-vaisselle, non. Puis t'auras pas de piscine non plus. Demander à Dina, ça tu peux. Non, bah un jacuzzi, ouais. Mec, tu lui dis non, pas de lave-vaisselle, tu lui dis ok, bah alors un jacuzzi. Bien sûr, bien sûr. Planter quelque chose, n'a pas le droit! Qu'est-ce que c'est ça? Préparer un repas. Ça, c'est possible. On fera ça demain. Lier une amitié. On n'a pas le temps. Allez, nettoie. J'étais dégoûtée de voir tes lives en vidéo et là, je suis en direct. C'est super. Ah bah écoute, c'est très gentil de ta part. C'est la première fois que je fais un live aussi. Enfin, que mon live est diffusé sur YouTube en même temps que Twitch. Donc, c'est peut-être pour ça que tu as pu tomber dessus. En tout cas, c'est gentil. Ça fait plaisir. Bon bah tu vas retourner faire des tableaux toi, hein. C'est pas là, ah, c'est bon, c'est déjà prévu. Et toi, bah tu vas aller préparer un repas gastronomique. Tiens, ça va te faire monter direct pour deux, c'est possible? Non, pour quatre. Tu vas monter comme ça, tu vas valider ça et puis peut-être qu'on va pouvoir prendre l'esprit d'initiative tout de suite. Allez, va bosser, toi. Va bosser. Allez. Est-ce qu'il va y arriver? Ou est-ce qu'il va nous foirer le plat? C'est possible aussi. Hein. Ah oui, donc en fait, tu fais des lives sur Twitch, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre comment tu faisais des lives et que j'étais pas au courant. Oui, voilà. En fait, jusqu'à présent, mes lives, je ne les faisais que sur Twitch. Et après, je mettais le replay uniquement sur YouTube. Et là, ce matin, je tente la diffusion simultanée sur Twitch et YouTube. Donc, c'est pour ça que tu es tombé, enfin, que ça t'a prévenu que j'étais en live. Gagner de l'argent, il n'y en a pas de sous. Du coup, on a les 2000. On va pouvoir prendre esprit d'initiative.
Il est là. On a plus de chances d'être promu. Et économe 2000 aussi. Bon, bah, ce sera pas pour tout de suite. Gagner de l'argent lors d'un événement. Remarquez, on peut essayer de faire l'événement dîner, hein. Va coûter combien ça? Combien ça coûte un dîner? Cher, je suis sûre. Ça coûte de l'argent qu'on n'a pas encore. Alors. Fête privée, fête effrayante, séance de jeu pour bambins. Dîner, 100. Oh, 100, ça va? Allez. L'autre, bah l'autre c'est moi, hein. Ça c'est lui. Ah, il faut deux invités. Ah, ok. Bon bah. Non, on va faire ça à la maison, hein. Va falloir que je débloque la porte alors. Autoriser l'accès à débloquer. Et il faut que j'achète une chaise. Parce que la peau, parce que ça sort par terre quand même. Voilà. Donc qu'est-ce que je dois faire? Appeler les invités pour le repas. Donc il faut. Bah attends, on va pas se faire chier, on va sortir un repas qu'on a déjà préparé, hein. On va pas. Hein? Attendez, moi j'allais servir le dîner. Ah non, c'est pas ça. Le plat gastronomique que je viens de faire là. Où il est? Macarons aux amandes. Ah ouais, mais c'est pas un repas ça. Bon bah ce sera. Ce sera sandwich. Voilà. Hop. Appeler à table. Ah, faut que je prépare un repas. Toi, va t'occuper du bébé, toi. Nourrir, allaiter. Et ma deuxième invitée, elle est où? Elle est partie. Ah oui, il a bien évolué, les maisons, une femme, un enfant. Ouais. Oh bah, va s'occuper du gosse. Elle est bien, cette invitée. Ouais, il a bien évolué. Il a un boulot maintenant, il a une douche. Il dort plus sur un. Bon, il dort sur un matelas pneumatique, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut la remercier d'être là? Voilà. Donc, le but, c'est juste d'avoir l'argent. Ah, bah, c'est périmé déjà. Oh, puis elle fait le ménage. Oh, bah, on va l'inviter plus souvent alors, hein. On va l'inviter plus souvent. Là, on a quoi? On a juste. Il nous faut l'argent. Du coup, ça ben. Hop, poubelle. Non, ça veut pas. Tiens, là, quand t'auras fini, va nettoyer ça. Et puis toi, tu vas préparer un repas de groupe. Servir le dîner, haricots, saucisses. Ouais, ça ira. Ah, il veut plus. Bon, ben. Cuisiner. Tacos au poisson. Ensuite, bah va aux toilettes. Écoute, te fais pas pipi dessus, ça me fait pas pour un dîner, bordel. Allez, dormir. Bon, on a toujours pas l'argent. Faire en sorte que les Sims mangent en même temps. Bah, bouge pas. Relève-toi. On verra plus tard. Hop, appelez à table. Allez, mangez tous en même temps. Magnifique, ça y est, on a l'argent. Wouhou! Préparer un dessert, rien que ça. On va le faire parce que peut-être on va gagner de l'argent, mais. Pâtisserie? Est-ce que c'est un dessert? Non, on va préparer. Cuisiner. Qu'est-ce qu'on va faire en dessert? Un gâteau au chocolat? Ah, soyons fous. Ouais. On a réussi. Donc du coup,
Ah bah c'est pas fini, il faut attendre que ça se valide. Moi je mettrais bien fin au dîner là, parce que tout le monde est crevé. Parce qu'on... Bon, on va essayer d'avoir... Maintenant on peut pas avoir l'or parce que de toute façon j'ai pas l'intention d'acheter un truc qui va faire de la musique. Donc laisse tomber le gâteau. Bon bah fais-le quand même, comme ça ça... Ça servira de gâteau d'anniversaire pour Agathe. Voilà, très bien. Devenir adulte, ok, super. Créer trois types de nourriture excellentes. Ah bah. Et du coup, j'ai combien de points? 750. Bon, bah écoute. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, non mais va dormir toi au lieu de faire la sieste, espèce de blonde, va. Du coup, on a encore à bouffer pour 40 dans le frigo. J'espère qu'on va avoir la promo demain. J'ai un peu de doute, mais on va essayer. Hop, débarrasser, jeter, prendre une douche et dormir. J'ai validé un truc là. Ah oui, mon gâteau est donc excellent. Tu m'en vois ravi. Ah oh, putain, les gnomes. Bah ça ce sera pour Dina hein, parce que un coup à clapser sans avoir rien demandé. Donc calmer le gnome, donner du café, calmer le gnome, donner de la salade, calmer le gnome, donner un jouet. Allez. Il est content. Il est pas content. Il est pas content. Alors. Implorer le pardon. Oui, tu peux vendre les gnomes. Mais je les vends pas tout de suite. J'attends qu'il m'ait donné plein de graines pour mon jardin. Et demain, je les vendrai. Alors. Oh ah non, faut pas me faire ça. Faut pas me faire ça. Ah, le coup de stress que j'ai eu. Le sursaut, quoi. Et elle est même pas cramée. Gnome énervé, putain. Ah non, c'était horrible ça. Ils vont te donner plein de graines. J'ai fait le plein avec eux. Et coup de bol, cette fois-ci, j'ai trouvé la bonne interaction pour les rendre. Mais d'habitude, j'y arrive bien. Mais là, on va réessayer. Pas... J'espère qu'on perdra pas Dina en route. S'en fout, on se remarie sinon. C'est pas grave. Bon. Alors, ça fait deux fois qu'elle se mange l'éclair. Va dormir. Tu verras demain. Oh putain, quelle aura. Hop, des graines. Allez. Mais oui, ils sont en train de tout pourrir, là. Allez, Dina, réveille-toi. Vas-y, recommence. Implore le pardon. Toi, occupe-toi du bébé, parce que Dina, elle est occupée à se faire électrocuter. Ouais, c'est Dina, c'est pour ça que ça marche pas. Ouais, non, mais on va... Bah oui, mais j'ai tellement peur qu'il me tue, Olivier. Ouais, ça y est. Ils sont où? Oh la vache. C'est chaud. Non, bah va t'occuper de... Changer la couche sale, nourrir au biberon. Bon, bah je vais essayer avec Olivier, mais franchement... Je suis pas rassurée, hein. Et si je chante avec lui, d'abord? Ah, non. On va pas chanter à 12. Implorer le pardon. J'ai peur, hein. Je vous jure, j'ai peur. Je suis en stress. Oh, Bankira! Hein? Oh, Neil! Il veut pas, bordel. Il veut pas. Et si, mais on va chanter quand même, alors. Est-ce que ça va te détendre si on chante? Bon, c'est bon. Je tente ce que je peux, mais putain, c'est chaud là si j'arrive pas. Ils vont me pourrir la baraque.
Wish Navy to Dumble Eye. Wish Navy to Dumble Eye. For Simsy Yepsy deserves a. Essaye l'autre gnome, ouais, je vais essayer l'autre. Bon bah tu vas retenter. Je vais leur laisser chanter. Attends, comme j'ai chanté, j'essaye voir si ça marche. Oh, ça marche. Bon, je tente. Si ça marche pas, on viendra chanter. Bon, allez, viens Dina, il faut qu'on chante. Ça va chanter autre chose. Allez, viens Dina, on chante. Visiblement chanter, ça lui a plu. Hop, on va avoir plein de graines pour le jardin qu'on peut pas encore construire. Voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse sur un grand repas, d'accord. Et de la gratitude. Voilà, remercier Dina d'être là. Oh, merci Kiwi. Kiwi. Merci Kiwi pour le follow, c'est super gentil. Du coup, je voulais exprimer ma gratitude. Yumbala, être reconnaissant et après on retente. On retente notre chance. Tu as trouvé où le challenge et il faut faire quoi en gros? Alors attends, bouge pas. Moi non plus j'ai pas de jardin, j'attends d'avoir 50k pour valider mon aspiration. Ensuite je finis l'ablement jardin dernier. Alors attends, je vais envoyer le lien. Je vais te mettre le lien du challenge, Elisabeth. Voilà. Je sais pas si ça marche pas. Ah si ça marche. Et attends. Et je vais l'envoyer. Attends, je te l'envoie sur YouTube, ce sera plus simple. Hop. Voilà. Voilà, donc ça c'est Massilia qui a fait la traduction sur le forum officiel. Sinon le challenge original se trouve sur Mode The Sims. Et en fait, grosso modo, tu commences avec rien. Et il faut que tu aies tout, c'est-à-dire une maison, une famille, un métier, ton aspiration comblée, etc. Sauf que pour pouvoir... Comment dirais-je? Pour pouvoir construire ta maison, il faut que tu aies valide d'abord des prérequis. Et pour pouvoir avoir ta famille, il faut que tu aies une maison, et ainsi de suite. Donc tu peux pas... Déjà, t'as pas d'argent. Et quand bien même t'en aurais, il faut quand même d'abord valider les prérequis. Donc... Enfin, tu liras les règles, je trouve qu'il est vachement sympa comme challenge, parce qu'on commence vraiment... bah, si t'as vu un peu les lives que j'ai fait jusque-là, t'as vu que... Effectivement, on commence un peu... on commence mal, quoi. Mais après, ça vient. Bon, écoute, on va laisser tomber le gnome, on renverra Dina après. Hop, chercher des pièces jetées. Dina, elle va s'occuper du petit... Faut vraiment qu'ils aillent faire cracra, qu'ils sont au bout de leur vie. Et on va implorer le pardon. J'ai jamais mis autant de temps à implorer un pardon à un gnome. On commence mal, mais c'est ça qui est bon. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est que ça s'arrange vite. Bon. Après, vous irez faire crac-crac et après, on recommencera à implorer le gnome à bien finir par l'avoir, ce saloperie de gnome là. C'est pas possible. On peut pas avoir. Mais ça, c'est la première fois que j'arrive pas à me mettre le gnome dans la poche, quoi. Bon. Vivement demain qu'il grandisse le bébé. Oui, c'est ça.
Demain, hop, je fais grandir le bébé. Bon, après, il va y avoir d'autres emmerdements. Ah, puis il faut que j'achète un lit, il faut que je fasse une chambre. Oh là 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 là. On n'est pas rendu, on n'est pas rendu. Bon, vous allez faire... Putain, alors, mets du temps aussi dans la douche, elle, c'est pas possible. Il va falloir améliorer la douche, je crois. Alors, faire crac-crac, pardon, je trouvais plus l'option. Ouais, you, ça va faire remonter le divertissement de Dina qui va pouvoir retourner voir le gnome. La joie des bambins, ouais. Trop de bonheur. Donc toi, tu vas voir le gnome. Tu vas aller implorer le pardon avant d'aller aux toilettes et de manger. Et toi, bah toi, tu vas t'occuper de changer la couche de ta fille. Et tu vas aller réparer l'évier parce que... faire un petit peu de ménage aussi, ça marche pas de pain. À finir par crever à force. Ah là 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 là. Oui, bravo Dina, enfin. T'étais pas censée venir t'occuper du bébé, toi? Bravo Dina, enfin tu as réussi à mettre le gnome de ton côté. Bien, tu vas aller prendre des restes quand tu auras nettoyé. Et tu vas lui faire un tableau parce qu'on va avoir besoin d'argent. Hop, toi aussi tu vas aller prendre des restes. Voilà. Ah, il faut qu'on fasse se reproduire. Hop là, faire se reproduire. Hop, il y a encore des petites graines. Non, j'en vois pas d'autres. Du coup. Allez, go là. Eh ben dis donc, j'ai cru qu'on n'allait pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ah oui non mais c'est bon, toi tu vas pas valider ton aspiration, je te le dis. Grand repas. Bon ben. Préparer un grand repas. Truc pas cher quoi. Un grand petit déjeuner. Oh, il y a encore plein de graines. Heureusement qu'on a un petit peu d'argent de côté quand même. Parce que, puis avec les gnomes, ça va pouvoir les vendre après. Ah oui, il faut qu'on vende une... Ah, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Hop, on va vendre la grenouille. On va vendre les pièces, on s'en fiche. Voilà. Elle est partie dormir, bien sûr. Annoncer le grand repas. Vendre un collectionneur. Et nourrir au biberon. Voilà, donc de toute façon on va pouvoir la faire grandir. Là, c'est bon, il a validé son jour férié. Il y a plein de graines, ça va être trop bon ça. Tes grenouilles, une fois reproduites chez un, tu les transfères chez l'autre et tu reproduis encore. Oh, merci du tuyau, écoute. On va finir. Blindé d'oseille, tu fais quoi toi dans la vie? Moi je fais éleveur de grenouilles. Ah, mais pourquoi tu pleures encore? Oh là là. Ah, parce que t'as couché sale, bon ça va. Ça y est, c'est fini. On peut vendre les gnomes. Le jour férié est terminé. Voilà. Donc, on va vendre les gnomes. Hey, 250. 250. Et 180. Voilà. On a plein de graines, ça c'est cool. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dormir. Demain matin, on fait péter le... J'allais dire le jambon, pas du tout.
On fait péter le gâteau, on fait grandir Agathe, on n'en parle plus. C'est sympa. Oh, on est en vitesse éclair, c'est beau. Bon, de toute façon, on va faire péter le gâteau. Hein. J'ai des livres. Normalement, j'en ai un de gâteau. Genre un pas entamé. Voilà, nickel. Non, mince, je me suis trompée. Reviens. Mettre les bougies d'anniversaire. Changer la couche sale. Et. Plus de choix. Ah, mais non, je suis. Mais qu'est-ce que je suis conne. Oh là là, c'est un bébé. Souffle pas les. Et salut Margot. Tim, pardon. Salut Margot Tim. Je suis bête, moi je voulais lui faire souffler ses bougies, mais en fait c'est un bébé, je vais juste cliquer dessus. Ouais, alors Agathe, qu'est-ce qu'on va lui donner comme compétence? Je me dis qu'indépendante c'est pas mal. Alors attendez, qu'est-ce qu'il faut faire après pour la faire grandir? Parce que... Voilà. Ah, il faut que j'ai toutes mes compétences de up avant de la faire passer enfant. Donc, on va prendre un truc... mouvement bah, qu'elle apprend toute seule, quoi. Enfin... Bon, allez, dynamique. Pénible comme sa mère. Mais non, parce que pénible, ça m'apporte pas trop de bonus, tu vois. Ça m'emmerde plutôt qu'autre chose, donc... Donc non, je vais m'abstenir. Et coucou Pearl. Non, je vais m'abstenir de la rendre pénible. Alors, à quoi tu ressembles-tu? Oh, elle est trop mignonne. En plus à son père, a priori. Avec les yeux de sa mère. Et on est sauvé. Elle a pas chopé le jaune pisseux. Magnifique. Magnifique. Sympa ton prisme. Ouais, merci. C'est un cadeau qu'on m'a fait cet été. Et que je voulais depuis très longtemps. J'ai essayé de faire tous les concours fossiles imaginables. J'ai jamais gagné. Et voilà, une amie qui en avait deux m'en a donné un cet été. C'était très gentil de sa part. J'étais vraiment contente. Du coup... Eh ben, il va falloir monter toutes tes compétences. Il faut acheter un lit, il faut acheter un pot, il faudra acheter une tablette. Tout ça. Une chambre quand même. Du coup, au niveau de la chambre. J'ai pas encore réfléchi à comment on allait aménager cet espace parce que j'ai pas trop envie qu'il faille passer par la chambre des parents pour accéder au reste de la pièce. Donc faudrait plutôt que je ferme la chambre des parents et que je fasse un couloir. On va essayer de faire ça. Donc ça pour l'instant on va le mettre dehors. Donc j'ai dit fermer la chambre des parents. Voilà. Est-ce qu'un carré ça suffit pour un couloir? Sûrement. Voilà. Et hop. Cette pièce-là, je ne sais toujours pas ce qu'on va en faire. Mais celle-là, on va en faire une chambre. Donc il nous faut des portes. Des portes pas chères, bien sûr. Hein. Bon, ça, je m'en fous, je mets pas de porte. Pour l'instant, je sais pas quoi en faire. Voilà. Voilà, il nous faut ok, ensuite tout ce qu'il nous faut pour un bambin. Donc énergie 1, donc c'est tous le même gain d'énergie. Une salle de bain et un bureau, ouais, c'est pas bête.
complètement marre. Alors pour l'instant, on va pas trop s'enquiquiner avec la déco. Hein. Vous voyez, j'ai pas assez d'argent pour ça. Il me faut absolument un pot. Du coup, ben, on va mettre le pot dans la cuisine, hein, quand on en est. Et une tablette. Voilà, comme ça. Après, il n'y aura plus qu'à aménager la chambre. Et puis voilà. Ouais, du coup, ça peut être une salle de bain, un bureau. Et après, ici, je pourrais rajouter une chambre. Parce qu'il me faut 3 chambres au final. 3 chambres, un bureau et je sais pas quoi. Donc, on est pas mal. Attendez, il faut que je rentre ça. Ah, pour l'instant, je vais le laisser là. Parce que j'ai pas trop de sous pour aller acheter une porte et tout. Bon, pour l'instant, on va se contenter de ça. On verra après. Il faut vraiment qu'on gagne assez d'argent pour investir un peu dans la déco parce que c'est quand même vilain. Est-ce que c'est fonctionnel tout ça? Est-ce que tu peux aller là? Ça a l'air. Est-ce que tu peux aller là? Eh ben, c'est magnifique. Ça marche. Quand on aura un peu de sous aussi, j'aimerais bien mettre des baies vitrées. J'aime bien. Plus joli que les fenêtres. Mais ça coûte des sous, donc ce sera pas pour tout de suite. Bah pose-la là, de toute façon elle va commencer à... Ou non, tu sais quoi, va lui apprendre le pot, parce que c'est très bien qu'elle apprenne le pot rapidement pour pouvoir y aller toute seule. Et coucou Meryl. Oh les factures, dis donc. Je crois que tu vas devoir aller peindre des tableaux. Prends le courrier. Vas-y, apprends-lui le pot un petit peu. Et puis après, tu iras prendre le courrier. Et je pense que tu vas devoir faire des peintures. Parce qu'à mon avis, on n'aura pas assez de sous pour payer les factures. Enlever la nourriture gâtée. Et prendre des restes. Alors, combien? Ah bah non, c'était juste un cadeau. Oh bah alors... Un cadeau qu'on va vendre immédiatement, bien sûr. Ça y est, t'as fini. T'as faim. Alors ça, ma pauvre, tu mourras jamais de faim ici. Ton père, il a fait à bouffer pour tout le quartier. Voilà, macaroni au fromage. Alors, 3 chambres, une cuisine, une salle à manger, 2 salles de bain, un salon, un bureau, un jardin. Alors, ouais, faudra fermer la cuisine. Faire une salle à manger, un salon. Ah, c'est pas gagné, c'est pas fini encore. Hein. Premier direct pour moi, j'aime beaucoup tes vidéos. Oh, merci, c'est gentil. C'est très gentil de ta part, merci beaucoup.